Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, bout fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing. If this world is a place worth saving, I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? Et yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a Alon. Et voilà, il y a quasiment 2 ans, je faisais mon deuxième roulage avec ma nouvelle moto, ma 2022, la moto de mes rêves. J'avais fait un truc de fou, la moto elle était incroyable. Elle est toujours aussi incroyable. Mais malheureusement ça va être le dernier roulage avec cette moto. J'ai emmené la petite Dirt parce qu'il y a un terrain pit bike, j'irai en faire un peu cet après-midi. Et du coup bah là ce qui va se passer c'est que je vais aller m'habiller et ensuite on va aller rider sur le terrain de Alon à côté du Mans. Je vous ai déjà fait des vidéos là-bas et la piste c'est une dinguerie, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing. If this world is a place worth saving, I feel like this world is a place. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free. Bon les gars, j'ai roulé 2 sessions ce matin, putain. La reprise. Ça fait... J'ai pas roulé depuis les Riders Weekend. Et avant les Riders Weekend, j'ai pas roulé depuis la course où je me suis perforé le rein. Et du coup là c'est... Putain c'est compliqué. Je fais 2 tours. Mais 2 tours et puis je suis mort. Mais mort mort. En plus il commence à faire chaud. Enfin se remettre au sport. Parce que là... compliqué. Autant quand même je suis content. Putain le terrain il est trop kiffant, il est incroyable. Et à Alon à côté du Mans, je pense on a 10 minutes du circuit des 24 heures. C'est... on va partir rouler mais j'en peux déjà plus. Honnêtement là je fais 3 tours, je suis mort. 3 tours. Donc voilà, on va repartir rouler, le petit stabilisateur. Ah ça c'est kiffant. Ça c'est quand t'achètes les petits joujoux. Et du coup on va repartir rouler et puis essayer de faire plus que 3 tours. Ça va être... et essayer de passer la troisième aussi. Non, je te connais. Allez, c'est parti les gars, on part tout de suite pour essayer de faire plus que 3 tours. Uh-huh.
régime. Hein. Bonne rillette avec le bon pain frais. Pour la pause du midi. Donc là, il y a Zach Pichon et un mec qui s'appelle Léo qui font le mondial d'enduro. Ils ont roulé un peu ce midi tout seul sur la piste, c'est une dinguerie les gars. Putain, ils roulent trop fort, c'est trop propre. En même temps, je crois que le proprio du terrain, c'est Michael Pichon, donc un ancien champion du monde de motocross, tout ça. Et du coup, la petite pause du midi, on va manger de ça. Et ensuite, on va reprendre les petites sessions cet après-midi. Cet après-midi, j'ai essayé au moins de faire au moins une manche de 15 minutes. Tu pourras me dire, papa, regarder un peu sur ton téléphone l'heure et puis faire des sessions de 15 minutes. Comme ça, ça va réentraîner un peu parce que là, le physique ça va pas. Ça va pas. Mais compliqué. Bon les gars, petite dinguerie, il y a S-Bike 37 qui était présent au Riders Weekend. Mais là il est là, et du coup je vais vous faire tout de suite une petite session avec la Stark Varg. Tester vers les 35 chevaux environ, ben, tout équivalent à une 125 parce que j'ai pas envie de lui exploser la moto non plus. Et du coup ben, ça part tout de suite pour l'essai de la Stark les gars. Thank you.